Dimanche 2 juillet 2017, l'église protestante méthodiste du Bénin retrouve la paix. Le Saint-Esprit est là, les temps anciens sont passés et les déchirements se sont dissipés. En témoigne ce culte de réunification où le pasteur Bondiesou Amos Roussa, le tout nouveau président élu vendredi dernier, est consacré. L'homme nouvellement installé vise un nouvel élan sur tous les plans les ans à venir au sein de l'Église. Les organisations, les unions, les associations. À quoi les compétences et les ressources humaines de l'aimer parce que je l'ai qualifié au sein des communautés. Augmenter et valoriser notre patrimoine de ressources économiques par une gestion rationnelle de l'existant et la création d'autres identités. Comme les soins de la communauté. Renforcer la coopération et le partenariat au plan national et international. Relire nos textes constitués à partir des statuts et règlements intérieurs pour répondre aux difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Diversifier la formation à tous les niveaux. Donner le gouvernement de Jésus à la communauté de l'Office réconciliée et réussie aujourd'hui. Depuis le 3 juillet 2016, sur l'initiative du chef de l'État, bénévole à son présidence, Patrice Guillaume Mandela, nous avons annoncé une nouvelle dynamique dans les pays. La cérémonie de ce jour dernier est un résultat concret, un point utile et un aboutissement heureux. Pour l'avènement de ce point utile, plusieurs canadiens se sont sacrifiés. C'est ici l'occasion de remercier très sincèrement les membres de l'UG pour les sacrifices consentis. Je veux remercier les responsables à divers niveaux, les fidèles de l'Église dans leur ensemble, les responsables des églises en Afrique comme en Europe, pour leur soutien, tout ce que nous mettrons à contribution pour réaliser les priorités justes. Cette réunification est en partie l'œuvre du président Talon, d'où nécessité pour son ministre de la Justice de le remplacer valablement à ce festin nourri d'émotions, d'onctions, d'acclamations et de consécration. Que chacun soit cimenté de paix. C'est lorsque le cœur de chacun sera véritablement cimenté de paix que la nation sera une nation de paix. Une nation triomphe devient éternelle lorsque la paix est soumise. Et c'est pour cela qu'il vous transmet également toutes ces affirmations par rapport au modèle de réconciliation et de réunification que vous avez établi. Au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin, le vent du nouveau départ a soufflé. Le ballon de la désunion est dégonflé et désormais l'unité règne en maître.